plus de cancer du col de l'utérus et plus de saignements. Gloire à Dieu. Après l'examen médical, Gabriella Chemo m'a écrit sur Facebook le 11 mai 2023, jeudi. Monsieur le pasteur, je vous ai écrit personnellement pour la gloire de Dieu. Je vais bien maintenant, monsieur le pasteur. La grâce du Seigneur a agi comme si j'avais subi une opération. Le Seigneur m'a soigné. J'avais un cancer du col de l'utérus. On m'a fait faire des examens. Je n'ai plus de cancer. Gloire à Jésus, mon Sauveur. Monsieur le pasteur, gloire à Dieu. Le bilan de mes analyses ont révélé que je n'avais rien. Je n'ai rien. Je n'ai pas de cancer. Je n'ai pas d'inflammation. Gloire à Dieu. Tout est normal. Témoignage de guérison porté quelques jours après la prière. Je vous ai dit que j'avais une hémorragie. La serviette hygiénique, je ne l'ai pas enlevée. Je ne savais pas ce que c'était que d'être sans serviette. Je suis rentrée chez moi et gloire à Dieu. Je peux dire que je n'ai plus de serviette maintenant. Et depuis combien de temps portez-vous cette serviette? Eh bien, depuis qu'ils m'ont dit qu'il y a 10 jours. Depuis qu'ils m'ont dit que j'avais un cancer du col de l'utérus. Ils m'ont dit que j'aurais du sang, tout le temps si je ne me faisais pas opérer. On m'a dit que le sang ne s'arrêterait pas et je ne peux pas penser à une opération parce que je ne peux vraiment pas me faire opérer. Je me suis donc remise entre les mains de Dieu et je sais que le Seigneur me guérira. Et en fait, vous avez commencé à saigner quand on vous l'a dit, n'est-ce pas? Oui, oui, le jour même. Il n'y a pas eu de saignement avant? Non, je n'en avais pas. Je n'en avais pas. Je suis allée me faire examiner. On m'a dit, vous avez un cancer. J'ai eu une hémorragie. Je suis sérieuse. C'était horrible avec des serviettes tout le temps. Je ne pouvais pas me passer de serviettes. Je ne pouvais pas. Alors que maintenant, c'est fini. Gloire à Dieu. Et donc, vous aviez eu l'hémorragie et aujourd'hui, lorsque vous êtes arrivée au service, que s'est-il passé? Je suis arrivée au service, je saignais un peu. Je suis rentrée chez moi, mais je ne peux pas dire que je saignais vraiment. Je ne peux pas dire que c'est comparable à ce que c'était avant. J'avais des serviettes en permanence. Je changeais de serviette toutes les demi-heures. Et vous saignez maintenant? Vous saignez maintenant? Maintenant, je ne peux pas dire. Cette hémorragie n'est que des gouttelettes maintenant. Cela n'a rien à voir avec ce qui s'est passé auparavant. Cela n'a rien à voir. Elle s'est juste arrêtée, c'est tout. Gloire, gloire à Dieu. Ça s'est arrêté, c'est tout. Gloire à Dieu. Après la prière, l'hémorragie s'est arrêtée. Après la prière, le Seigneur m'a guéri. J'ai juste besoin de... Je vais aller me faire examiner. Oui, exactement, vous devez vous faire examiner. Oui, je dois me faire examiner et j'ai la foi que le Seigneur aura enlevé le cancer. J'ai la foi en le Seigneur. Je crois tout simplement. Il est grand. Êtes-vous venu de Varna? Oui, je suis venu de Varna et je reviendrai vers vous. Où que vous soyez, je vous trouverai et je reviendrai. Que Dieu vous bénisse, petite sœur en Christ. Nous rendons gloire à Dieu, n'est-ce pas? Oui, gloire à Dieu. Dieu seul est le plus grand. Mais moi, je ne me sentais pas très forte, je n'avais pas la force, je m'effondrais souvent mentalement. Je voulais mettre fin à mes jours, je l'avoue. Mon époux m'en a empêché. Je ne pensais qu'au suicide. J'ai craqué, je me suis effondrée. Vraiment beaucoup. Et maintenant, je me sens différente. Maintenant, je suis joyeuse, je suis heureuse, je m'occupe de mon enfant. Maintenant, je pense différemment. Gloire à Dieu. Vous avez donc pensé au suicide, c'est cela? Oui, 3 fois, 4 fois. Mon époux m'en a empêché. Je pensais à beaucoup de choses, à me tirer une balle, à me jeter, ce genre de choses. Parce que je ne peux pas survivre à ce genre de choses. Est-ce à cause du cancer? À cause du cancer, oui. Étant donné que je ne pourrais pas me soumettre à cette opération,
je n'aurai aucune chance de me faire opérer. Je n'avais pas d'autre choix que de procéder au suicide, c'est tout. Opération chirurgicale du cancer du col de l'utérus, c'est bien cela ? Oui, du col de l'utérus. Oui, oui. Or, il n'y aura pas d'opération, donc. Vous vous rendez donc chez le médecin et nous attendons de bonnes nouvelles. Oui, soyez bénie, petite sœur en Christ. Souffrez-vous de douleur ? Non, je ne peux pas dire que j'ai mal. Avant de venir vous voir, j'avais mal à l'estomac, je l'avoue. Je saignais beaucoup. J'étais dans un état différent. Gloire à Dieu. Maintenant, je me lève d'une autre manière. Avant, même quand j'étais couchée, je saignais. Je le confesse devant le Seigneur. Dieu a fait beaucoup pour vous. Regardez comme il vous aime. Vous venez de loin et vous êtes à 300 km d'ici ? Je suis à 350-360 km d'ici. Oui, c'est vrai. Ah, que de chemin parcouru ! Mais le Seigneur vous a récompensé pour votre foi. Nous lui rendons grâce. Et à qui rendons-nous toute la gloire ? Au Seigneur Jésus. Il est le grand médecin. Il vous a guéri en faisant une opération miraculeuse. Il m'a rendu ma santé mentale et m'a permis de prendre soin de moi et de mon enfant, de tout. Prière contre le cancer du col de l'utérus et des hémorragies. La femme a parcouru 340 km depuis Varna pour assister au service chrétien. Le service chrétien a commencé à 10h. La prière a commencé vers 12h. Quel type de cancer avez-vous ? J'ai un cancer du col de l'utérus. Mettez votre main sur votre ventre, voilà. Au nom de Jésus, démon, sortez de son corps. La mort, le cancer, la destruction, la sorcellerie, sortez d'elle au nom puissant de Jésus. Que le cancer sèche, que le cancer du col de l'utérus disparaisse. Que le cancer sèche, sortez, sortez de là. Ressentez-vous une douleur à cet endroit ? Oui, et des saignements. Vous avez des saignements et vous ressentez de la douleur. Douleur abdominale. Douleur abdominale, où sont les douleurs ? En bas du ventre. Apposez votre main. Nous ordonnons que l'hémorragie s'arrête maintenant, au nom de Jésus. Nous voulons que l'hémorragie s'arrête. Levez-vous. Je vous prie d'aller aux toilettes et que vous regardiez s'il y a du sang qui sort. Pouvez-vous le faire ? Allez, allez-y. Sentez-vous une différence maintenant ? Hein ? Vous sentez un changement ? Levez-vous. Oui ? Comment vous sentez-vous maintenant ? Que se passe-t-il avec vous ? Je ne peux rien dire pour l'instant. Vous ne pouvez rien dire ? Allez-y, allez aux toilettes. Et venez pour qu'on voit le résultat. Gloire à Dieu. Notre sœur en Christ avec l'hémorragie est-elle revenue ? Venez, sœur en Christ, voyons ce qui vous arrive. Dites-nous ce qui se passe. Il y a encore un peu de saignement. Il y a encore un peu de saignement. Mais ce n'est plus comme avant. Oui, mais ce n'est plus comme avant. Elle s'arrêtera donc complètement. Au nom de Jésus, que cette hémorragie s'arrête complètement. Nous ordonnons qu'elle s'arrête complètement au nom de Jésus. Sinon, y avait-il de la douleur ici ? J'en avais, maintenant je n'en ai plus. Tenez, donnez-moi ça, levez-vous. Laissez-vous frapper un peu. Bon. Comment allez-vous ? Cela vous fait-il mal ? Non. Et avant, ça allait vous faire mal ? Oui, c'est vrai. Non, ça ne me fait pas mal. Cela vous fait mal ? Non. L'hémorragie a peut-être disparu maintenant. J'espère, pourvu que ce soit le cas. Dites Amen. Alors vous ne direz pas pourvu que ce soit le cas. Pas de pourvu que ce soit le cas. Il faut dire Amen. Je suis en accord avec vous dans la prière. Amen. Il faut dire Amen. Je me déclare d'accord avec vous dans la prière. Au nom de Jésus, que les saignements s'arrêtent. Que la maladie s'en aille et ne revienne jamais. C'est bien. Gloire à Dieu. J'ai reçu le message suivant sur Messenger depuis le compte de Gabriela Kemo à 21h28 ce soir-là. Bonjour, monsieur le pasteur.
je suis la personne avec le cancer du col de l'utérus et les saignements. J'étais à votre service chrétien, avec vous aujourd'hui. Mon hémorragie s'est arrêtée. Gloire à Dieu. Dieu est grand. Monsieur le pasteur, gloire à Dieu. Le bilan de mes analyses ont révélé que je n'avais rien. Je n'ai rien. Je n'ai pas de cancer. Je n'ai pas d'inflammation. Gloire à Dieu. Tout est normal.